Salut à tous, c'est Barzicot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps, oui ça fait extrêmement longtemps. D'ailleurs je vous ai peut-être éclaté les oreilles parce que je ne sais pas, je viens d'avoir un nouveau casque. Parce que oui, aujourd'hui vidéo, pas annonce mais on va dire un petit peu annonce, ou alors on peut dire ça comme ça. Semi-annonce, semi-vidéo. Parce que... Comment dire? J'ai pas de casque, mais vous allez me dire oui, mais t'avais ton autre casque de Pretty Bertie First. Sauf que, bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, vous voyez ça comme vous voulez, hein. Non, plus sérieusement, bonne nouvelle, Merty First a eu la PS4. Oui, donc j'ai dû lui redonner son casque, sinon ça s'appelle du vol, et le vol c'est pas hyper cool. Bon, on va réparer ça au passage. Voilà. Donc, du coup, moi, bah, je suis pas resté sans rien faire, j'ai quand même farmé. Donc, vous avez vu le métal là qui m'a permis de réparer mon fusil. Les niveaux à appliquer qui sont de 2, voilà, qu'on va mettre dans la résistance. J'espère que le troisième niveau sera passé rapidement. Donc je suis niveau 60, on va voir ce qu'on peut apprendre. Niveau 60, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, déjà on vient d'apprendre ça, enfin on vient d'avoir la possibilité d'apprendre ça. La selle de Basilosaurus et le réfrigérateur. Le réfrigérateur me paraît intéressant. La selle de Basilosaurus, je m'en fous un peu. Voilà. Ensuite, là on aura la selle de Castoroid. Ça c'est le frigo. Et finalement, enfin le frigo. La climatisation, voilà, c'est la clim, c'est l'air conditionné de ta bagnole, enfin tu vois, tu connais. 62, c'est la selle d'Ardavis et les fléchettes tranquillisantes, voilà. Donc je prépare des grosses vidéos à partir du niveau 62. Il faut juste que je passe les deux derniers niveaux qui sont chiants. Ah c'est bon, mon fusil est réparé. Donc vous avez vu, j'ai crafté des forges, enfin je sais pas si... Voilà, regardez en bas dans mon petit inventaire, j'ai les forges de disponibles, on va aller voir ça ensemble. Je vais vous montrer un peu, j'ai upgrade la maison. Voilà. Putain, ouais, j'ai pas regardé, mais le niveau il est chiant à passer. Voilà, j'ai racheté deux nouvelles forges. Le prochain niveau il est long à passer. Je sais pas si j'ai fermé pour le fabricateur. Franchement, je sais pas, je me rappelle plus. Voilà. Je suis honnête avec vous. Regardez ce que j'ai fait. Là, on a le G-Raptor. Vous allez me dire, mais pourquoi il a plus de sel? Enfin, vous l'avez certainement vu. Voilà. J'ai apprivoisé un Raptor de niveau plus conséquent. Voilà, ça fait beaucoup plus du bien. Ouais, d'ailleurs, voilà, c'est bon. J'ai mis à 1000 de vie. Le poids, on va l'augmenter à 200. Et puis après, on le mettra tout dans la mêlée. Hein. Voilà, 1000 de vie, c'est plutôt bien. Comme vous avez vu, c'est dans ses premiers niveaux qu'on est en train de passer. Donc, c'est parce que c'est normal. C'est, je sais pas comment dire, mais qu'est-ce que je dis, moi je sais pas comment dire, c'est juste que je cherche mes mots. Ça fait pas longtemps que j'ai apprivoisé, c'est-à-dire que c'est la dernière chose que j'ai faite. J'ai apprivoisé puis j'ai arrêté de farmer. Voilà, qu'est-ce donc? Oh, ça a l'air bien, celle de Mégalocéros. Donc le Mégalocéros, c'est le cerf en inhabituel. Une arbalète gratis, voilà, au cas où je casse mon arbalète, j'aurais pas besoin de la réparer, je prendrai la gratis qu'on vient d'avoir. Bah écoutez, c'est plutôt bien. Donc bah, dans cet épisode, toujours but farmer, 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 hein, toujours. Dans le but d'avoir, bah comment ça s'appelle déjà? Bah nos deux niveaux, voilà, putain, je cherche mes mots, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis plus dans le bain, ne m'en voulez pas. J'ai l'arbalète que j'ai sur moi, on va déposer celle-ci. D'ailleurs, j'ai déjà une arbalète là-dedans, donc je sais pas pourquoi. Et une épée d'ailleurs, oui, donc quand mon épée sera cassée, faudra pas que je la répare, faudra que je pense à prendre celle-là. On va réorganiser un petit peu tout l'inventaire et puis on va partir à la chasse là. Bon, je vais pas partir à la chasse direct parce que je sais que je trouverai pas de dino et que ça va être pas intéressant. Donc, je préfère combler l'épisode avec de l'inventaire, voilà. Oui, j'en ai rien à foutre, je vous le dis. Après, faudra, voilà, ça je pose là, on essaie d'aller vite quand même. Ça je pose là, les narcotiques, je sais pas si je les ai fermés. Celle de Mégalocéros, j'imagine, ça se construit dans l'atelier. Voilà. Donc ça va ici avec les schémas inhabituels. Ah, ça on avait dit qu'on le mettrait dans le centre d'usinage dès qu'on l'aurait, donc on l'a. On va le mettre. Essayez de me dépêcher. Voilà. On m'en voulait pas. Ça c'est ce que j'ai fermé, donc ça les breuvages. Oh, on a deux fois le même. Bon, c'est pas grave, je le jetterai quand ça passe en place. Voilà, on met ça dans l'ensemble d'usinage. Du coup, ce qui est bien avec ce casque là, c'est la même chose que l'autre, c'est que vous entendez pas normalement, vous entendez pas les sons qui se dirigent.
de l'autre côté du casque. Du coup, les bruits parasites que l'on avait avec mes vieux écouteurs, vous les avez plus. Normalement. Attention. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon. Raptor niveau 110. 114. Oh. Mieux que ce que je croyais. En fait, on va arrêter de descendre par là parce que j'ai chassé tout ce qu'il y avait à chasser ici. Et... Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, moi, je suis un malin, moi. Moi, je suis un malin. Je disais, j'ai chassé tout ce qu'il y a à chasser ici. Du coup, on est obligé d'aller là-bas pour chasser. Oui. Je l'ai fait en hors caméra. Ou en off. Vous voyez comment vous appelez ça. Ah, je crois que c'était un raptor. Tout ce qui est hostile, j'enlève. Hein. C'est à éliminer. Tout ce qui est méchant, hop, ça dégage. À le dire en fait. Ah, je vous l'ai peut-être pas dit, j'ai passé la difficulté à 0,9 vu que j'ai construit l'armure en métal. Voilà, et je pense que je la passerai à 1. Je passerai la difficulté à 1 quand j'aurai vraiment un dinosaure assez intéressant. Sachant que 1 c'est pas la difficulté maximum, mais c'est la difficulté réglementaire. Je vous avais dit, rappelez-vous, que je l'augmenterai progressivement, pas commencer directement en difficulté 1. Parce que là, vous voyez déjà en 0,9, on tombe sur des dinos. Bon, eux, ils avaient déjà spawn avant. Ouais, 14, non, lui, il avait déjà spawn avant. Vous trouvez des dinos qui spawnent que maintenant. Parce que, en fait, ce que vous voulez, c'est plus, comment dire, l'aventure avance, plus je... J'ai le niveau, hein, parce que c'est important, un brontosaure, c'est très important à avoir. Donc, je disais, plus l'aventure avance, plus on se déplace. Donc, plus... Comme ça, ça fait que si je commence avec une basse difficulté, les niveaux proches de moi auront un petit niveau. Et ensuite, plus j'augmente la difficulté, plus je m'éloigne. Donc plus les dinos qui vont apparaître quand je vais m'éloigner, c'est-à-dire que les dinos vont spawner, plus ils vont être au niveau. C'est ce que je veux dire. Donc du coup, les dinos loin de moi vont être au niveau, les dinos proches de moi vont être bas niveau. Et ça me permet de pas mourir tous les 40... Comment dire, toutes les vidéos par un raptor qui me saute dessus. Alors raptor, c'est pas compliqué à tuer, mais quand votre raptor est niveau 150, bah c'est tout de suite plus compliqué. Bon, ici j'ai tué 2 voire 3 allosaures, je sais plus. En tout cas, j'ai tué des allosaures. C'est ici que j'ai le raptor. Donc, et une fois que j'ai le raptor, je l'ai attiré. Parce que j'ai regardé le niveau du raptor et... Toi aussi t'es bloqué, on est dans la même galère. Bah écoute, il y a un préveur qui dit qu'on est dans la même galère, bah tu meurs. J'ai rien d'autre à dire. J'ai juste inventé ce proverbe. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Quand vous êtes dans la même galère avec un de vos potes, ne le tuez pas, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'être responsable de ça. Bon. Toujours à la recherche. Toujours à la recherche de nouveaux dinos. Putain, pour me repérer, ça va être compliqué. Hein. J'ai rajouté mon icône sur la map. Je sais pas s'il y était avant. Je sais plus, en fait. C'est parce que ça reset tout. Ça m'énerve. À chaque fois, je suis obligé de retourner sur ma survie The Island parce que oui, j'ai pas débloqué Ragnarok légalement. J'ai débloqué grâce à une commande d'admin. Sinon, faut que je finisse le jeu, ça me saoule. J'ai pas envie de le faire. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, une carrière comme ça, je dois retourner sur ma survie The Island, retaper la commande d'admin parce que sinon, Ragnarok est verrouillé, je peux pas entrer dessus. Heureusement que ça supprime pas ma survie à chaque fois parce que sinon, dès la première fois où ça aurait fait ça, bah, j'aurais dû redonner. Ouh, niveau combien ? Tous ces niveaux, combien toi? Kentrosaur niveau 5. On va se fight contre les Smilodons là. Ils vont se faire pas mal affaiblir par le Kentrosaur, mais je pense qu'ils vont tuer le Kentrosaur quand même. Ah, ils ont tué le Kentrosaur, maintenant on va les fight. Allez, ah, ils sont made boosted hein. Ils sont made boosted. Ah, ils me font mal hein. Et je vais descendre les aider à pied. Ah, ok, j'en ai eu un, le raptor hiver ou pas. Ah, mon armure est full broken. Il m'a broke mon armure, bro. Si un de mes potes regarde cette vidéo, il comprendra la référence. Il m'a broke les legs. Bon. Ça on s'en fout. Enfin non, justement, ça on s'en fout dans son inventaire, mais dans mon inventaire c'est intéressant. Ça dans mon inventaire. Ça, on s'en fout. Et voilà. Mais non, je vais partir en... J'ai oublié de préparer mon armure. Bon, on va s'aventurer. J'ai heal le raptor parce qu'il faut pas déconner.
C'est en plus je peux pas me battre à pied parce que là je peux pas me battre. Hein. Clairement je fais trishot voire quadshot. Hein. On va le heal. Voilà, ça remonte petit à petit. Je vais mettre au moins 900 de vie. Ouais non, quoique. Ça monte vite. Hein. Ouais voilà, 900 de vie sur 1000. Il a quand même pas mal à bouffer. Hein. Ouais, il a pas mal à bouffer. Moi je prends une viande. Ça me heal. Bon, j'aime fight sur mon raptor. Écoutez. Et on verra ensuite. Hein. Ah là franchement ça me saoule. Ah ta mère. Quand même ça me fait peur cette merde. Ah j'aime pas les scorpions. Là en ce moment en plus je suis en train de... Voilà je vous raconte ma vie. Voilà ça recommence. Je suis en train de jouer à Fallout. Et donc du coup parfois je m'aventure dans la mer luminescente. Ensuite... Oh enfin je vais le tuer comme ça. L'aventure dans la mer luminescente. Bon est-ce que... je sais pas si vous voyez ce que c'est la mer luminescente dans Fallout mais c'est pas grave. Et donc du coup il y a des scorpions comme ça là. Même design. C'est le même design que dans Ark mais en plus dégueulasse. C'est Fallout. Ah mais c'est la queue de mon raptor qui me pousse sur le côté là. Il veut ma mort, il veut me pousser dans le scorpion. Voilà, scorpion ça va faire dire play. Voilà, j'emploie des mots qui ne veulent rien dire. De le tuer parce que... Comment dire, je sais plus quoi dire. Mais j'avais envie de le dire. Voilà parce que on va récupérer la chitine. Voilà tout ce que je voulais dire. 19, bon c'est pas la joie mais c'est déjà ça. En plus c'était totalement bugué hein. Il pouvait absolument escalader hein. Pour ceux qui se demandaient est-ce qu'il pouvait escalader, alors oui hein. Il était là en fait ce qu'il voulait c'est avancer mais il était bloqué, il pouvait faire ça. Voilà, il faisait le tour et puis écoutez on n'a pas tous le cerveau d'un scorpion. Qu'est-ce que c'est... Ouais bon pas grave. On n'a pas tous le cerveau d'un scorpion. Je vais pas le tuer les herbivores. Mais il me semble qu'ici on a fait le tour. Ouais il me semble qu'on a fait un tour complet. C'est pas la grotte qu'on avait vue bon, personnellement dans cette grotte je m'aventurerais pas parce qu'on y allait avec des potes. Ouais potes, grotte, ça arrive. Oh excellent, quelle bague. Bon on va y aller pour vous faire plaisir parce que je sais que tout le monde est là. Mais fait dans les grottes. Bon je vais y aller pour vous faire plaisir parce que je sais pertinemment que le début de la grotte n'est pas dangereux. Voilà regardez. Oh pour rentrer, il y a même pas encore... Ça a même pas encore chargé la grotte. Voilà, on rentre là, ça a chargé la grotte. Avec des potes, on y allait ici. C'est d'écouter les bruits. En fait, il y avait un T-Rex. Voilà. On va l'appeler cet épisode chasse et pêche, on l'appellera chasse et grotte. Ah, nous, on était descendu par là parce qu'on avait regardé et là-bas, il y avait un T-Rex. Voilà, tout droit. Vous imaginez ici, là, dans la grotte qui marchait, T-Rex. Ah, on voit absolument rien. J'essaie de me montrer des trucs, hein. Écoutez, j'essaye. Bon, on va pas y aller. Hein. Regardez. Oh, par contre, y a quelque chose qui m'intéresse. Regardez devant du cristal. Devant, il y a du cristal. Je reviendrai ici avec mon argent à vie. C'est une immense grotte. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'est une grotte... Un peu, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est un peu la grotte centrale de ce center. Pour ce center. De Ragnarok, c'est un peu la grotte centrale, d'après ce que j'ai compris. Elle est très importante, il y a beaucoup de ressources dedans, d'après ce que j'ai vu. Qu'on y allait avec des potes, beaucoup de cristal, donc il me semble que là on a fait un tour, là. Il me semble qu'on a fait le tour de la maison, donc on était déjà venu ici, mais par l'autre côté. En venant d'en haut, il me semble. J'ai dit beaucoup de fois il me semble, c'était extrêmement bizarre. Il me semble que j'ai dit beaucoup de fois il me semble. Voilà, je ne recommencerai plus jamais cette blague. Donc, normalement, on était venu d'en haut, du coup on connaît cet endroit. Et on aura fait un 360 de la maison, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Or, désolé, je me suis mis en hors ligne, mais vous recevez quand même une notification. Je sais plus du tout si vous les entendez, mais il me semble que oui, vous les entendez, même si j'ai le son dans le casque. Excusez, voilà. Je dirai à chaque fois que je recevrai une notif pour éviter, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément de personnes qui suivent mes vidéos. Les personnes qui regardent mes vidéos, c'est souvent des personnes qui tombent dessus par hasard. Donc du coup, à chaque fois qu'ils entendent un bruit de notification, ils ne doivent pas comprendre. Du coup, je leur dirai à chaque vidéo, je sais, mais bon, pas grave. Bon, niveau combien t'es toi? 35. Ah, ah, 2. Ok, je vais l'aider à pied, même si c'est déconseillé. Je t'aiderai mon raptor. Oh, j'ai défoncé les deux. Ah ouais. Ah ouais, en fait c'est pas je t'aiderai mon raptor, c'est j'ai fait le travail à ta place mon raptor. Ah lui il avait un stuff.
Oh! Bah, j'aurais besoin de préparer ma hache. T'as quand même le stuff métal cassé, ça me saoule ça. Ah, ça m'énerve un peu. Bon. Oh putain, ça me saoule. Ah, désolé pour les vulgarités, hein, mais vous êtes pas sur la chaîne de Business Cut pour regarder des bisounours, hein, moi je vous le dis. Hein. La monétisation, on s'en bat les couilles. De toute façon, j'ai moins de 1000 vues, donc j'aurais même pas 80 centimes. Même pas 80 centimes, vous rendez compte. L'estimation de mes vidéos est quand même à 0,1 centime hein, environ. Non, en vrai, je sais même pas. La vidéo qui a fait 100 vues, elle devrait valoir 8 centimes. Vous vous rendez compte, dès que moi je suis riche, je peux m'acheter une Choupa Choups avec. Même pas, c'est 10 centimes une Choupa Choups. Et ouais, en plus, j'ai du placement de produit quoi. Je vais pouvoir m'en acheter plein de Choupa Choups avec le placement de produit que je viens de faire là. Bon, j'avance, je sais absolument pas où je vais. Hein. Une plaine, j'aime pas du tout les plaines. Oh, là-bas il y a le biome brûlé. Oh, oh. Mauvaise idée en fait. En fait, on va remonter. Hein. Ouais, je porte pas mes couilles, non. Peut-être pour une future vidéo exploration. Même si pour l'instant, faut faire des vidéos chasse, voilà. Chasse et grotte, voilà. Ce sera le titre de l'épisode, tout simplement. Référence à chasse et pêche, sauf que là, on chasse pas et on pêche pas. On chasse et on explore des grottes. Hein, on explore... J'ai peut-être exploré un centième de la grotte. Là, c'était l'entrée. Hein. C'était le teaser, voilà. Je vous ai teasé la grotte. Bon... Je vais pas remonter, voilà. On va retourner à la maison par le chemin qu'on avait pris. L'autre chemin, quoi. Qu'on était venu par là-haut. Ça va être marrant. On aura fait le tour. Bon. On était venu par là-haut, je me rappelle. On était passé sous cette espèce de pont. Moi, je vais tenter par ici, voilà. Je vais tenter par ici. Ah, oh, je sais pas, en fait. Ça va où? Parce que je compte terminer la vidéo dans... Niveau combien t'es, toi? Chasse à large d'avis, 14. Bah, écoute... Baston! Ah, j'ai descendu parce que l'argentavis c'est vraiment cancer à tuer. Ouh, ça fait mal. Ah non! C'est même pas si je le tape au point! Voilà! Moi j'impose le respect, clairement. Oh, je vais terminer l'épisode dans une minute et moi je suis encore là, je suis même pas à la maison. Bon. Mais non, mais je vais regarder dans l'argentavis s'il te plaît. Oh bah, juste. Oh, tout ça pour ça. Quand même sidérant. Bon, morale à moi, ne plus descendre de mon raptor pendant que je me fight parce que ça fait mal. C'est vrai que ça va bien. Ah ouais, mais non, en fait ça passe pas par là. Ah bon, bah tant pis, bah du coup je vais arrêter la vidéo bah ici hein, tout simplement parce que pas parce que je sais absolument pas pourquoi je viens de faire ce bruit. Tuez-moi si je recommence. Hein. Donc parce que tout simplement, bah j'arrive bah, en chemin qu'on connaît déjà. Donc ça sert à rien de vous le remontrer ou le rappeler si vous passez sous le pont. Si vous êtes un habitué de la série, vous le savez. Mais comme je vous l'ai dit, la majorité des gens qui regardent la série tombent sur les épisodes par hasard. Eh oui. Du coup, vous avez qu'à regarder le début de la série. C'est bien fait pour votre gueule. Voilà. Donc je suis passé sur ce pont. On avait vu un Galliminus, pour les habitués, rappelez-vous, qui était tombé tout au long de la falaise, hein, carrément un Galliminus suicidaire, il devait avoir perdu sa femme et ses enfants encore. Encore un T-Rex qui rôde dans le coin. Et voilà, donc pour ceux qui savent pas, voilà, la maison est là-haut tout droit. Hein. C'est juste qu'il y a la distance d'affichage qui ne l'affiche pas, mais elle est ici, la maison, voilà. Voilà. C'est bizarre de voir cet endroit sans herbe. Donc, bah, je vous laisse ici pour cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est chasser du dinosaure totalement innocent, comme vous êtes en train de le voir, pour me faire XP. Et sur ce, je vous retrouve... Oh, Vorace Sur ce, je vous retrouve à la prochaine vidéo, avec, je l'espère, les niveaux que j'aurai farmés. Allez, à plus.